Bonjour, je me présente Maxime Baumann, développeur chez SQL Research, et aujourd'hui on se trouve chez PDC Europe. PDC est expert en application de Manchon et a fait appel à SQL pour la mise en place d'une solution de contrôle qualité visuelle. Pour en savoir plus sur cette aventure, nous allons à la rencontre de Derek Van de Voorde, directeur de PDC Europe. PDC est une entreprise française créée en 1984 qui fabrique des applicateurs de Manchon thermorétractables et étirables. En fait, ce sont des machines qui sont installées sur les lignes de nos clients, qui vont décorer les produits, protéger les produits en mettant des manchons d'inviolabilité ou les regrouper pour faire des lots promotionnels, encore une fois avec un manchon. Donc, depuis 1984, nous installons dans le monde entier des applicateurs de manchons thermorétractables et étirables. Donc notre marché est très diversifié, non seulement il s'étend sur le monde entier, mais il y a de nombreuses activités. Ça peut être dans la cosmétique, des gens comme Puig, par exemple, Puig, qui font les Jean-Paul Gaultier, Shakira et compagnie, sont des clients PDC, ont de nombreuses machines, Clarins, dans la cosmétique, mais également dans les produits alcool, comme Pernod Ricard. On va faire Café de Paris, qui sont des pétillants. On va faire également Le Ricard. Bienvenue dans le laboratoire. Nous réalisons ici tous les tests de validation, de pose de manchon et de rétraction. Nous avons les produits qui arrivent tout nus devant la machine, on pose le manchon et une fois qu'il est posé, on le rétracte. Les clients nous demandent de sortir chacune de nos machines, de garantir que non seulement le manchon est présent, que non seulement il est dans la bonne position, mais est-ce que esthétiquement il répond à leurs attentes. Par exemple, sur ce manchon, il y a des perforations. Les clients souhaitent savoir si les perforations sont encore toutes présentes ou pas. Et c'est là où PsyCle arrive. Sur toutes les machines PDC depuis 40 ans, on détecte la présence, la position et on éjecte le produit quand il n'est non conforme. Maintenant, on va pouvoir non seulement l'éjecter quand il est non conforme en termes de position-présence, mais également en termes d'esthétique. Et voilà le matériel dans lequel va se trouver toute l'intelligence artificielle. Maintenant, les machines que nous faisons pour prouver que le concept fonctionne, le proof of concept, le POC, sont réalisés en bois. Comme ça, nous pouvons faire les modifications au fur et à mesure que nous apprenons. Ça coûte moins cher, c'est intéressant. C'est facile à modifier, c'est intéressant aussi. Et une fois que c'est fini, on va pouvoir l'utiliser pour une autre machine. Donc ici, on a ce qui symbolise le futur de la collaboration PsyCle-PDC. Au sortir du tunnel de rétraction ou au sortir de la machine de pose, un système de ce type va être installé sur la ligne. Des caméras se trouvent à l'intérieur et on va regarder à 360 degrés si le manchon est présent, si le texte est à l'horizontale, si les perforations sont présentes. Aujourd'hui, ce que nos clients veulent, c'est d'avoir la certitude que le produit qui va se trouver en linéaire va être en tout point conforme à leurs attentes et ne va pas nuire à leur image. J'ai un exemple ici. La bouteille est abîmée. Ça arrive. Eh bien, cette bouteille-là ne peut se retrouver en linéaire. Les systèmes de détection archaïques, anciens, qui fonctionnent, vont me dire que le manchon est là. Mais ils ne vont pas me dire que ma bouteille a été abîmée. Je vois ici la soudure qui n'est pas très jolie. Elle dépasse. Le client ne veut pas de ça. On peut imaginer demain qu'il y a un produit qui se balade comme ça sur la ligne sans le bouchon. Le client ne veut pas de ça. Il veut avoir la certitude que le produit va répondre à ce qu'il attend et ne pas mettre en défaut son image. Intéressant pour le client, c'est que les clients qui sont focalisé sur la qualité, et il y en a beaucoup, que ce soit dans l'alimentaire, dans le prestige, le mastige, dans la cosmétique, dans tout, dans la pharmaceutique encore plus. Aujourd'hui, ils vont jusqu'à avoir des personnes présentes sur la ligne, à regarder physiquement, à prendre les produits, à dire est-ce que c'est acceptable, est-ce que c'est pas acceptable. Tout ça, c'est fini. Il faut que ce soit cadré, avec une limite, acceptable, pas acceptable, et avec PsyCle, nous savons le faire. Donc là, on intervient avec PsyCle sur la partie technique, c'est avec notre solution Interact Vision. On va pouvoir se mettre en sortie de machine et permettre à PDC de créer différentes analyses. Donc là, par exemple, on a une analyse de détection de défauts sur les différents manchons. Et dans cette analyse, on va pouvoir classifier les différents types de défauts pour permettre de dire à PDC si le manchon
est conforme ou non, que ce soit par exemple sur une absence de capsule sur un produit, que ce soit un problème d'impression ou que ce soit encore par exemple un étiquetage qui est mal positionné. Chez Cycle, nous souhaitons vraiment inscrire les partenariats industriels dans la durée. Cela permet de moderniser et de digitaliser les process dans une optique industrie du futur performante. La synergie entre Cycle et PDC montre qu'ensemble, nous pouvons produire des solutions plus durables, plus souples et plus efficaces.